La surface totale des récifs coralliens représente moins de 1% de tout l'environnement marin, et pourtant, ils abritent 30% de la biodiversité marine. Le corail n'est ni une plante, ni un minéral, c'est un animal. Plus précisément, une colonie d'animaux, des polypes, dont la grande majorité vivent en symbiose avec une micro-algue qui leur procure, grâce à la photosynthèse, les nutriments nécessaires à leur croissance. On les surnomme parfois les ingénieurs de l'océan, parce qu'ils bâtissent des structures extraordinairement grandes et dont résultent des bénéfices pour l'ensemble des écosystèmes marins. Entre 2009 et 2018, en grande partie due au changement climatique, à la pression anthropique et à la pollution, 14% des coraux ont disparu. Pourtant, c'est plus d'un milliard d'humains qui dépendent directement de l'existence des récifs coralliens. À quelques minutes du départ, le bateau nous attend, tout le monde est là, mais avant de partir, je voulais aller rendre visite à un premier héros ici à Monaco, qui a un programme, un projet assez extraordinaire qui s'appelle Coraliothèque. Donc on est ici à Fontvieille et il faut savoir que Coraliothèque est hébergé dans un incubateur qui s'appelle le Monacotech et bah, c'est le moment de les rencontrer. Bonjour. Merci beaucoup, je suis super content qu'on puisse se rencontrer. J'ai découvert Coraliothèque assez récemment. Et est-ce que c'est possible déjà, s'il vous plaît, de vous présenter? Oui, alors je suis Rachid Benchaouir, je suis chercheur de formation. J'ai un doctorat en génétique et en microbiologie. Et donc voilà, j'ai 15 ans, 16 ans de carrière maintenant dans la recherche fondamentale et appliquée jusqu'à la création de Coraliothèque en 2018. Où c'est une aventure qui est arrivée un peu spontanément et je pense qu'on va en parler dans quelques instants. On est d'accord, hein, c'est une start-up, oui. Donc c'est un business, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Alors on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi Thalass, qui m'a prévu de valoriser les héros de l'océan, pourquoi est-ce qu'on commence par une entreprise? Je pense que c'est fondamental parce que si aujourd'hui on arrive à avoir des solutions de préservation et de connaissance de l'océan auxquelles on apporte un business model vertueux, on obtient une solution vertueuse qui permet d'avancer. Rachid, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que Coraliothèque? Alors Coraliothèque, c'est une société effectivement de biotechnologie marine qui a pour mission de découvrir, mais également de produire, d'évaluer et de commercialiser des produits innovants issus du monde marin et en particulier des écosystèmes coralliens pour le bien-être et la santé humaine. On est là avant tout pour valoriser les fruits de la recherche que font nos collaborateurs scientifiques, académiques, représentés par les chercheurs du Centre scientifique de Monaco. Donc le Centre scientifique de Monaco est un leader mondial dans la recherche en biologie et en écologie corallienne depuis maintenant près de 60 ans. Concrètement, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à trouver à l'intérieur du corail une substance précise qui a des propriétés et cette substance, vous arrivez à la produire sans avoir à toucher à du corail? Effectivement, on a été surpris que cette première molécule corallienne qu'on a produite présentait des propriétés qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Des propriétés de résistance des cellules, etc. Et quand on a investigué un peu plus profondément, on a découvert que cette première molécule proposait des propriétés de protection contre les UV, contre des polluants, contre des cytotoxiques, etc. Et on a valorisé cette protéine sous la forme d'un brevet. Nous possédons aujourd'hui une technologie qui permet d'aller chercher des molécules dans le corail, mais sans le toucher,
puisqu'on utilise une technologie basée sur la génétique du corail. Donc ce sont les chercheurs qui, eux, sont spécialisés, à partir de toutes petites boutures, d'extraire l'information génétique des coraux, de faire ce qu'on appelle des séquençages, c'est-à-dire de regarder un peu ce que contient le corail en termes d'information génétique. Mmh. Et puis nous, Coraliothèque, nous sommes spécialisés dans la recherche des séquences qui pourraient avoir un intérêt pour le bien-être et la santé humaine. On a une technologie qui nous permet, uniquement grâce à ces séquences génétiques, eh bien, de reproduire l'équivalent de la molécule naturelle, mais uniquement par des procédés in vitro, en dehors de l'environnement marin. Et donc, on préserve de cette façon-là l'environnement naturel, puisqu'on ne va pas casser du corail, on ne va pas faire des extraits à partir de coraux qui vivent dans leurs environnements marins, mais uniquement à partir de structures dématérialisées qu'on a sur notre ordinateur et que l'on sait transformer pour pouvoir produire in vitro ces molécules. Aujourd'hui, tout le monde parle du corail. C'est une problématique qui, je pense, aujourd'hui concerne beaucoup de pays, concernant l'état des récifs coralliens et des dangers auxquels il est soumis. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît bien le corail? Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait dire sur une échelle de 1 à 100 en pourcentage, le niveau de connaissance qu'on a du corail en tant qu'espèce à proprement parler, dans sa mécanisme, sa génétique, son fonctionnement, sa survie, est-ce qu'aujourd'hui on le connaît bien? Parce que là quand même, la techno que vous avez a priori développée, elle fonctionne, mais donc elle s'appuie sur une connaissance ultra poussée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, les récifs coralliens représentent entre 1 et 2% maximum de la surface des océans, mais ils renferment 30% de la biodiversité, ça il faut le rappeler. Alors 1 à 2%, c'est pas rien. Mais alors, si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres en termes de connaissances, en particulier génétiques, on a aujourd'hui uniquement des modèles de coraux, pas plus d'une dizaine, vraiment connus d'un point de vue génétique, alors qu'on répertorie normalement près entre 5 et 6 000 espèces coralliennes dans le monde. Vous voyez qu'il y a tout à faire, j'ai envie de dire, d'un point de vue connaissance des organismes coralliens. Donc on est vraiment au balbutiement, en fait. Exactement, on est au balbutiement, qui sont probablement liés à des raisons liées au fait que le nombre de laboratoires spécialisés dans l'étude des coraux est beaucoup plus faible que les laboratoires spécialisés dans la génétique humaine ou dans les problématiques touchant l'espèce humaine, en tout cas. Et donc, effectivement, la recherche évolue, mais beaucoup plus lentement. On connaît très peu de choses encore sur la mécanistique, par exemple une mécanistique de résistance des coraux au changement climatique. On voit effectivement un dépérissement très important dû à l'augmentation de la température des océans. Donc la mécanistique est plus ou moins connue, puisqu'on sait que certains coraux tropicaux possèdent des algues symbiotiques à l'intérieur qui sont expulsées du corail au moment où les différences de température deviennent trop importantes, ce qui crée un dépérissement du corail, du polype, puisqu'il n'a plus les éléments qui sont normalement apportés par la photosynthèse que fabriquent ces algues unicellulaires et qui s'expulsent à cause de l'environnement qui devient drastique pour elles en termes de température. Dans la connaissance du corail, on est loin du compte, j'ai envie de dire. On est loin du compte. Juste pour ceux qui nous regardent, qui ne sauraient pas, la recherche fondamentale, c'est la recherche sans application, c'est vraiment la recherche pure, et la recherche appliquée, c'est celle qui va derrière avoir une finalité potentiellement commercial ou non. Il y a une question quand même, les régions coralliennes sont les régions souvent équatoriales, souvent des régions pauvres. Est-ce que si on arrive à élaborer un business model lié à des molécules propres au corail, est-ce qu'on ne va pas derrière envoyer un signal, on peut gagner de l'argent en allant piller les récifs? Alors, on espère que l'information sera plus forte que ça. Pour éviter ce genre de choses, on ne peut pas avoir les résultats que nous obtenons aujourd'hui en cassant du corail. Et quantitativement, essayer d'extraire les molécules innovantes qui sont les nôtres, en essayant de casser du corail et de les extraire comme le font beaucoup de groupes à travers le monde sur d'autres espèces, notamment les plantes, etc., c'est contre-productif. Parce que le nombre de molécules vraiment actives qui se présentent à un instant T dans un corail d'un endroit X, eh bien, n'est pas suffisant pour l'industrialisation, etc., etc. Il faut des technologies de type biotechnologie qui reproduisent la molécule selon des cycles exponentiels pour pouvoir parler au monde industriel. Mais rien ne sert aujourd'hui d'aller casser du corail en pensant qu'on va extraire une molécule qui pourra ensuite être distribuée au niveau industriel. Il n'y en aura pas assez. Ce n'est pas la bonne technique, ce n'est pas la bonne technologie.
Donc là, il faudra, enfin, j'imagine que dans, ça doit être prévu, notamment dans la relation avec les industriels, il faudra sûrement une communication super claire là-dessus. Parce qu'on peut comment dire, être quasiment sûr que si derrière les applications des molécules coralliennes fonctionnent et on imagine la puissance des industriels dans le rayonnement de ce genre d'informations, il faudra absolument que ce soit associé à ça. C'est là où moi, j'ai un doute. Parce que je pense sincèrement que dans la recherche appliquée, on trouve le financement qui permet de financer la recherche fondamentale, et particulièrement dans des domaines comme le corail qui sont réellement délaissés. Je pense que la réserve de biodiversité, c'est l'essence même et la plus grande valorisation de la planète, pas à l'échelle de l'humanité ou de l'échelle monétaire, c'est l'échelle de la planète. Mais malgré tout, il faut bien aujourd'hui arriver à y trouver une raison humaine d'y embarquer le plus grand nombre pour pouvoir avancer et comprendre ce mécanisme. Et c'est là où je vois peut-être pas la faille, le doute possible et la dérive qui pourrait être amenée si on n'arrive pas à bien cadrer dès le départ. C'est notre responsabilité en tant que chercheurs, scientifiques, de faire passer le message qu'il ne sert strictement à rien d'essayer d'extraire directement à partir du corail. Par exemple, essayer aujourd'hui de mettre en place une ferme de coraux de plusieurs milliers de mètres carrés, qui est extrêmement coûteuse déjà à mettre en place, pour casser le corail qui est à l'intérieur et essayer d'en extraire des produits qui seront utilisés à une échelle industrielle, ne sert strictement à rien, parce que la quantité de molécules qu'on aura au regard de l'investissement qui aura été fait pour créer cette ferme, il sera négatif. Il ne sera même pas zéro, il sera négatif. Un petit peu mécaniquement, ce que vous allez produire avec Coraliotech mensuellement en substance, si on devait le transposer sur un métrage carré de production, ça représenterait combien ? C'est une question un peu difficile, mais je dirais que par rapport à la production in situ d'une molécule X produite quotidiennement par un corail, dont on pense d'ailleurs que certaines sont très stables dans le temps, donc il n'a pas besoin de les renouveler beaucoup, on peut facilement multiplier par 1000, voire 10 000 cette quantité en une seule production. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'imaginer d'aller casser du corail pour extraire suffisamment de molécules. C'est impossible d'essayer d'égaliser ce que l'on peut obtenir par biotechnologie versus ce que l'on peut obtenir si on va casser du corail. C'est vraiment impossible. C'est un monde. Ce serait gigantesque. Il y a un monde. Le corail n'a pas besoin énergétiquement, on parle de thermodynamique dans notre langage, de produire pour rien des molécules qui sont relativement stables pour lui et qu'il peut utiliser pendant des jours, voire peut-être des semaines. Alors que nous, on force un système in vitro à produire quotidiennement, pendant plusieurs journées, une quantité incroyable de cette même molécule dont le corail n'a pas besoin d'autant. Ben merci beaucoup. Rachid, on a le départ dans quelques minutes, alors on ne peut pas rester trop longtemps. Juste une dernière question. Est-ce que vous voulez bien rejoindre Thalas ? Moi, je serais super heureux que Rachid, vous montiez avec nous, pas forcément physiquement sur le bateau, pourquoi pas sporadiquement, mais pas en permanence, mais que vous puissiez nous faire bénéficier de votre expertise, toutes ces connaissances à propos du corail. Nous, on va en parler beaucoup, je pense, à travers les différentes expéditions autour du monde, et j'aimerais beaucoup que vous nous rejoigniez, que vous fassiez partie de l'équipage et que vous puissiez apporter à tous ceux qui vont nous rejoindre une forme de complément, parfois un peu vulgarisé, parfois un peu plus scientifique, un peu plus poussé. Est-ce que ça vous dit de nous rejoindre et de devenir l'expert corail de Thalas ? Alors la réponse est oui. Et je serai hyper fier de pouvoir participer avec vous à cette fabuleuse aventure. Eh bien, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Juste un petit symbole, un petit symbole que je vais chercher tout de suite. Un pactage d'équipage. Avec à l'intérieur de quoi venir à bord, avec un t-shirt, une casquette, des goodies, tout ce qu'il faut pour faire partie de l'équipage. Extraordinaire. Rachid, bienvenue et merci beaucoup. Eh bien, merci un super beaucoup. Moment, longue vie à Coraliotech. Oui. Moi, je pense qu'on va suivre ça de super près. Bravo, l'idée est brillante et je pense que ça va vraiment servir à l'avenir du corail et aussi la façon d'exploiter la vie marine de façon raisonnée. On peut utiliser les ressources marines sans pour autant les détruire. Et je pense que ça, c'est un message qui est fort et j'espère qu'on va le rencontrer beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tellement la norme. Coraliotech, c'est aujourd'hui un véritable pionnier dans le domaine de la génétique corallienne et le seul au monde à établir un catalogue génétique faisant ainsi considérablement avancer la connaissance et l'intérêt pour les coraux. Déjà, à partir des études sur le corail rouge du Centre scientifique de Monaco, des applications ont été trouvées, notamment pour la protection aux ultraviolets et anti-cancer. Dans les prochaines années, de nouveaux produits pharmaceutiques et cosmétologiques seront conçus à partir des productions de Coraliotech et proposés partout dans le monde. Bien loin d'un fantasme, c'est une réalité et une impulsion très forte vers un changement de mode d'exploitation de l'océan. Un véritable héros.
Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite et disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochains rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir. Merci à vous tous. Vous êtes désormais plus de 1500 à avoir téléchargé l'application et c'est une grande famille que vous composez autour de Thalas.